que c'était bon. Vous avez été gâtés, Sire. Chevaliers enquêteurs sont vraiment d'excellents cuisiniers. Hein. Je devrais songer à leur proposer un poste aux cuisines du château. Oh, ils n'ont pas le temps, Sire. Vous savez, en plus d'être chevaliers, ils vont aussi à l'école. Oh, la chance. Ça, je me rappelle mon premier cours de magie. J'avais transformé la maîtresse en pot de fleurs. Bon. Quand est-ce qu'on arrive? Pas encore, Sire. Et maintenant, on y est bientôt? Non, Sire. Enfin, bon, je... Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oh, oh, j'ai peur. Mimi! Mimi! Chut! Quelqu'un est là. Oh, on va tous mourir. Mimi! Mimi, où est-ce que tu te caches? Mimi? Mais non, monsieur loup-garou! C'est moi, ministre Carian! Roi, arrêtez de faire votre chachotte! Ce n'est que le loup-garou! Oh, ministre Carian! Mais que faites-vous là? Je suis en mission. Mais vous, que faites-vous ici sans lanterne? Moi, mais je vois très bien dans l'obscurité! Je viens d'ouvrir Mickey! Mickey, la chauve-souris des nains! Depuis quand venez-vous la nourrir? Je viens la nourrir tous les jours. Et puis je prends le courrier aussi. Je suis parti juste après votre discours au banquier du roi. Moi, la nourriture, je l'aime pas. Cette nourriture-là est trop riche, elle est trop grasse. Vous savez, j'aime les légumes. Bon, en ce moment, c'est difficile, les légumes, hein. Avec l'hiver, dans le jardin, il n'y a plus rien. Bon, vous avez donc un alibi. Tenez, prenez quelques carottes, elles viennent du fermier Jean-Claude. Oh, merci. Jean-Claude, en plus, il fait les meilleures carottes du pays. Popotin, ça suffit. Il faut savoir partager. Oh, c'est pas tout ça. Et là, quand est-ce qu'ils reviennent? Vous le savez, vous? Ah, justement, je... C'est que je me suis inscrit à une formation express pour apprendre à hiberner. Je voudrais pas manquer le début, hein. Ça, c'est grâce au docteur Marmotte. Elle est formidable, mais formidable. Ne vous inquiétez pas. J'ai les nains ici, avec moi. Ils sont prisonniers de l'image au Vox. Comme nous sommes chez eux, je vais les libérer. Parfait, je vais vous laisser. Vous pouvez leur mettre au courrier, ça me rendra bien un service. D'accord. Merci. Oh, une carte postale du garde. Oui, il est parti il y a au moins 6 mois pour faire le tour du monde. Il était resté confiné dans les souterrains des nains pendant 6 semaines. Il avait bien besoin de s'aérer l'esprit. Allez, au revoir, ministre Carian. Alors, sortons le grimoire magique pour voir ce qu'il nous faut pour libérer des nains. Oh, facile! Il faut une pomme empoisonnée. Bah, comment vous savez ça, vous? Moi, j'ai eu le temps de feuilleter le grimoire, hein, après être resté tout ce temps enfermé dans cette valise. Je vois. Et comment fait-on une pomme empoisonnée, alors? Oh, ça, ce n'est pas marqué, hein. Mais je connais une personne qui devrait savoir. Sorcière Saucissette? Je l'appelle tout de suite. Oh, et si on lui faisait un canular téléphonique? Chut, ça sonne. Allô? Sorcière Saucissette, ici ministre Carian. Patapout! Hein? Ah, qu'est-ce que vous dites? Chut! Je vous appelle, car nous voudrions savoir comment faire les pommes empoisonnées. Poilonnées! Ah oui? Et pourquoi ça? Chut! Eh bien, pour... faire de la compote? La compote? Ah, c'est une bonne idée, moi je vais en faire aussi. Hein? Et ça permet de dormir, hein? Une bonne compote de pommes empoisonnées, on dort pendant 100 ans. C'est pratique. Alors, pour faire une pomme empoisonnée, il faut une pomme. Et un épluche légumes. Voilà. Alors, après, on fait un trou pour les yeux. Voilà. On fait un trou pour le nez.
chaussettes. Poil aux chaussettes. Poil aux quoi? Vous êtes impossible. C'est pas bon, hein? Bon, chevalier, découpage de pommes pour la prochaine fois. À bientôt pour de nouvelles aventures au royaume de l'âme. Ah,